se retrouve sur une nouvelle vidéo qui est un urbex dans un sanatorium. Donc, je suis dedans actuellement. Donc, comme vous pouvez le voir là actuellement, je suis en train de le visiter. Donc, on peut le voir tout simplement comme ceci. Donc, du coup, voilà. C'est vrai que j'adore. Comme sûrement ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours voulu faire des urbex comme ceci. Là, on le voit un peu comme ça. Voilà, donc là on va visiter un peu tout ça. Donc pour le moment on est sur l'aile arrière gauche. Donc c'est vrai qu'après c'est relativement vide, on a pu le voir, un petit placard, voilà, c'est qu'il n'y a pas grand chose dedans. C'est beaucoup cassé, donc du coup c'est assez triste à voir. Énormément cassé et le raisonnement en plus il est ouf du fait que forcément il soit vide. Donc là vous pouvez voir à peu près la vue qu'il y a dehors. Voilà. Donc ça à mon avis en plein été ça doit être absolument magnifique. Là on voit un peu dehors, voilà, la vue qu'il y a est totalement magnifique. Et je dois dire que franchement, ouais, c'est assez ouf. Comme d'habitude, je ne me donnerai pas la paresse du lieu. Voilà. Donc, pour le moment, ça va. C'est pas trop dégueulasse. C'est même assez surprenant de voir que, mine de rien, le lieu est assez immense. Donc, voilà. Assez impressionnant. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de tasses. Là, les lustres qu'il y avait en haut, ils sont tous tombés, comme on peut le voir. Donc c'est assez ouf. Donc je suis pas tout seul. Je suis vraiment pas tout seul. État pur. De cuisine. On peut voir. Ouais. T'as fini, non? Un petit fromage? Non, mais t'inquiète. Hein. Non, mais je veux dire, t'as fini de parler? Non, mais ça. Après, si je parle, ça va être en continu. Ah, d'accord. Ok. Là, les amis, de salle de classe, je ne sais pas trop, c'est absolument wow, incroyable, tout est vraiment HS et c'est assez impressionnant de voir tout ça. Vraiment là c'est j'aime beaucoup cette pièce parce que comme vous pouvez le voir là, il y a une sorte de petite affiche comme ça qui est absolument incroyable, avec ici des petits rangements. Donc est-ce que c'est des chambres ou des trucs comme ça, je ne sais pas. Honnêtement j'ai aucune idée. Je dois avouer qu'il fait un petit peu froid quand même. Donc là la petite là voilà ce qu'on voit à l'extérieur, c'est absolument magnifique, la vue est magnifique, tout est beau. Et quand on voit l'état vraiment des lieux comme ça, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable de voir à quel point le lieu est tel qu'il est. Et malheureusement abandonné. C'est sûrement une terrasse, ouais, c'était sûrement une terrasse là qu'on voit. Avec, les trucs, pareil, c'est cette vue comme ça, absolument magnifique. Vraiment magnifique, c'est un truc, c'est un truc de malade. Donc j'ai bien fait déjà de vous amener ici parce que je trouve que c'est assez imposant et c'est vraiment assez
incroyable de voir tout ça. Là, je mets juste la caméra parce que ça, on va rien voir. Hop, là, je passe. C'est vraiment... vraiment... Donc là, on arrive un peu dans l'aile principale. Donc, comme vous pouvez le voir juste ici. Petit blouson qui a été laissé là. Voilà, qui est assez... Au début, quand on est passé, au début, je crois que c'était juste un petit nounours, vous savez. Mais non, c'est pas du tout un petit nounours. C'est juste un manteau de petite fille. Le manteau qui est quand même très récent, donc... ça devait être sans doute une sorte de bureau. Ouais, des trucs de bureau natif. Parce qu'il faut savoir que le lieu, à l'époque, que je vous explique un peu tout ça... Le lieu en lui-même, c'est dégueulasse. C'est... Attendez. Voilà. C'est absolument dégueulasse. Donc, le lieu qui était à l'époque sanatorium, du coup, pour la tuberculose. Plus précisément pour les enfants. Pour les enfants et adolescents. Donc on voit qu'il y a encore quand même quelques petits meubles. Mais rien de bien. Voilà. Rien de bien. Rien de bien chose. Là, maintenant, s'il y a un meuble, vraiment, on voit vraiment le temps qui s'est vraiment arrêté sur ce lieu. On le voit, je ne sais pas trop. C'est ouais, une armoire qui est là, qui est vraiment retournée. Des meubles. Attends, je regarde si ça va. Oh, pas grand chose, je suis vraiment désolée. Bah, ça devait être une sorte de salle de réception, sans doute. Là, on le voit là, regardez. On le voit là. Vous voyez? 1989. Vous voyez? C'est très vieux. Très très vieux. C'était sûrement un bureau pour ranger un peu tout ça. C'est une tête de lit apparemment. Notre tiroir avec notre meuble. Un fauteuil. On peut le voir. C'est absolument la petite fenêtre sans doute pour voir ce qui se passe là-bas de l'autre côté. Du coup voilà, c'est assez merveilleux un peu à voir. Donc du coup voilà. C'est vrai que là c'est assez immense. Notre pièce, beaucoup de lumière sans doute, des chaises qui restent là et qui sont vraiment impressionnantes. Et toujours pareil, toujours des meubles comme on voit, des meubles. On voit vraiment la vieillesse du lieu, que le lieu en lui-même, il est des années 50. Donc du coup c'est assez... je regarde ce qu'il y a par terre. Le lieu d'être en date, c'est du coup des années 50. Là où c'est que du coup la tuberculose est arrivée. Donc comme je vous disais, c'était un endroit pour les enfants et les ados, les sangs. Et c'était un endroit qui effectivement... rassemblait un peu tout ça. Il y avait des écoles aussi. Il y avait une école et une enceinte pour les chambres et tout. Donc du coup, voilà. Et là, les d'autres escaliers, on a pu les voir, qui mènent vraiment en bas. Avec des meubles ici. Je sais pas trop si on les voit bien, mais... Alors, et là, pareil. D'autres meubles. Donc c'est assez impressionnant à voir. C'est vraiment la première fois que je fais sanatorium. Donc on voit quand même que, genre lui, il date pas des années 80. Mais tu sens que lui, il était là, genre il y a 2-3 ans. Donc le lieu a été rénové à plusieurs reprises en vain. Vu que le lieu en lui-même, ça n'a jamais abouti, trop loin de la civilisation apparemment. Donc du coup c'est pour ça que ça n'a jamais abouti. Donc
Noël. Il y a plein de pièces. Impressionnant. Je t'en dirai une barre. Regarde. Comme vous savez, je ne suis pas venue toute seule. J'ai toujours dit un truc qui vient de l'envoi comme ça. Donc, si jamais vous attendez de parler, c'est normal. Salle de scène. La scène. Sans premier spectacle. En dessous, mais... il y a ça. Avec un chauffage et rien de plus. Un peu là où on était un peu tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est un vrai labyrinthe cet endroit. C'est vraiment un vrai labyrinthe. Là on monte un peu plus devant. Je mets la petite là un peu devant moi, même comme ça on voit déjà un petit peu mieux. C'est incroyable. Donc là on est à un étage supérieur. C'est incroyable comment c'est immense. Et encore il y a encore un étage. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment des pièces immenses. Je sais pas si on peut bien voir. Vraiment des pièces vraiment immenses. Il y a plein de toilettes partout. C'est absolument... des fenêtres pareil. Des fenêtres partout. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'était ce moment-là, ça défile ici. On peut voir, regardez, il y a des fenêtres partout et tout. C'est incroyable. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mon téléphone qui a bugué. C'est éteint tout seul. Là, regardez, ils sont mal. Regardez le papier peint. Incroyable. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Comment c'est absolument immense. C'est. Waouh. Donc, ça, c'était vraiment la salle des petites filles, sûrement, qui peut-être qui venaient jouer ici. Ou quelque chose comme ça, sûrement un rassemblement. Là, c'est encore là des. Des placards. Là, c'est pareil. Donc là comme on peut voir des couloirs à perte de vue, c'est absolument incroyable. Donc, c'est vraiment oufissime. Mais vraiment avec là encore un meuble, une partie de meuble. Et ça marche dessus. C'est vraiment dégradé, mais c'est absolument magnifique en fait. Donc là, un petit placard. Sûrement les toilettes. On peut voir ici le système là, exprès là, pour tirer la chasse là. Je sais pas si vous voyez, c'est exprès pour tirer la chasse et tout. Et il doit plus y avoir du dos à mon avis. Une pierre tombale, vraiment. Mais c'est d'éviter de montrer le nom. Mais c'est vraiment grave. Regardez ne serait-ce que la vue qu'il y a. C'est impressionnant la vue qu'il y a. Vraiment, c'est oufissime.